Salam Oustad. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Faites-vous de dawa à l'étranger? Alors non, non, et j'étais en train de réfléchir, subhanallah, parce que j'avais un élève au Maroc, mais il ne fait plus cours avec nous, donc du coup non. Et en même temps, oui, puisque les différents cours que je fais, je sais que par exemple pour les cours de Sira, il y a des personnes de Suisse, de Belgique et du Luxembourg qui nous regardent. Donc, subhanallah, oui, en quelque sorte, mais ce n'est pas dawa, la dawa by usted. Mes élèves, ou plutôt ceux qui bénéficient de mon mentorat, non, il n'y en a pas aujourd'hui à l'étranger, mais je ne sais pas si là, il y a un zoom en train de me voir, mais avis à toutes celles et tous ceux, plutôt tous ceux, parce que nous sommes un groupe de garçons, avis à tous ceux qui veulent faire cours avec nous, bénéficier de mon mentorat, et qui souhaitent que je sois leur mentor, leur guide spirituel. Bismillah, bismillah, et c'est l'objectif, hein. L'objectif, il est pas caché, il est clair, c'est de pouvoir faire cheminer toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, et si Allah Azzawajal l'accepte et accepte mon travail, toutes celles et tous ceux qui veulent cheminer vers Allah Azzawajal, donc peut-être il y en aura demain à l'étranger, mais vous savez que je vous dis souvent, si un jour vous allez vivre à l'étranger, il faut remonter vos manches et bismillah, faire da'wah. C'est ce que nous a enseigné notre voie spirituelle et c'est ainsi que ça va se faire. Donc pour l'instant, non. Oui, en quelque sorte, avec ceux qui suivent nos cours, ceux qui nous regardent, si vous venez d'ailleurs, pourquoi pas le préciser. Et non, dans le sens, la Dawa by Usted, aujourd'hui, elle n'a pas encore planté son drapeau, son étendard à l'étranger. Merci, Hussein. De rien.